Aide-moi. Pitié. J'ai mal. Oh, Dieu merci, t'es en vie. Dieu n'a rien à voir avec ça. Pitié, aide-moi. Écoute-moi, t'as été blessé pendant l'attaque. Doc a relié ton cerveau à un bioprocesseur robotique. Tu vas avoir du mal à t'y habituer. C'est comme une amputation, tu vois. Je vais t'aider. Toi, tu vas m'aider, toi. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre en quoi tu peux m'aider. Ta soif aveugle de revanche nous a tous condamnés. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu es désolé. Écoute-moi. Le bioprocesseur résiste à son emprise. Ne le laisse pas t'affecter. Je vais te tuer, Gray. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est l'un des lassos de Final Echo. Ouais. Et alors? Tu vois la ligne de com? Ouvre-la. Coupe ton micro. Répète, que tous les survivants signalent leur position. Niska, ici Sarano. Mes vivants, mais je suis coincé sur le toit d'un putain d'hôtel. Alors tu bouges ton petit cul et tu viens m'aider. Les locaux pullulent, je suis mal barré, j'ai besoin d'aide. Tous les autres échos, passez vos trackers sur zéro, en position. Je me dirige vers le centre-ville général. Sarano, ce bâtard est encore en vie. Ça change tout, Ishii. Même si tu veux pas assassiner cette espèce de salaud, il est ici, et des navettes d'évacuation vont rappliquer. Calcule nos chances de survie. Tu peux pister cette femme? Ouais, bien sûr. On la retrouve, elle nous mène à Sarano, et... On se sert du général pour s'enfuir. Le tuer serait contre-productif. Je sais à quel point il t'importe de m'aider. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Je pensais quand même pas le tuer. On le trouve. On se barre d'ici. Je connais des super bio-ingénieurs. Ils vont te retaper ici. Sur la tête de ma mère. Mais si tu échoues, tu n'auras plus aucune chance de rédemption. J'imagine. La charge de ma batterie s'affaiblit. Si je ne la recharge pas d'ici 30 minutes, je vais mourir. Les salauds qui nous ont attaqués, il y en a un bon paquet plus loin au sud-est. Ils ont sûrement de quoi te recharger. Alors, je viens avec toi, pour la dernière fois. Attention. Compris. Attention! J'ai compris. Et toi, tu tiens le choc? C'est pas trop douloureux? Oh que si! Mais je vais devoir m'y habituer! Je vais te sortir de ce foutu merdier ici. Est-ce que tu sais à quoi on a affaire ici? Non, mais c'est confédéré. Les données d'identification remontent à plus d'un an. Sarano mijote un sale coup sur cette planète. Yeah.
Oh, bordel de merde. Analyse de combat. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, hein? Et il va avoir l'occasion de prouver son efficacité. On se fait attaquer. Confins de l'espace. Il n'y a aucune colonie, ni aucune troupe confédérée à proximité. Dead Echo, sans pitié! Oh!
Cette zone présente une importante radioactivité. On ne survivra pas si on s'y attarde. Comme au bon vieux temps. Excuse mon manque de nostalgie. J'ai mappé toute la zone. La seule issue, c'est par en bas. Du combat rapproché dans un complexe minier, je suis pas très chaud. Moi non plus. J'ai jamais voulu ça. Mais on n'a pas le choix. Ah, bravo! Qu'est-ce qu'ils foutent ici? De l'extraction pirate d'uranium? Non, ce complexe est trop élaboré. Ce n'est pas du travail d'amateur. On s'en fout. Tout ce que je sais, c'est qu'ils verront pas la couleur de leur argent. Reste sur tes gardes. Nous ne sommes pas en lieu sûr. C'est le seul passage. Ça, c'est mettre du cœur à l'ouvrage. Crevard ! Déconne pas ! Le crevard pisse sur les anges, mon pote. Ah!
Il y a assez d'artillerie confédérée ici, que ces dégénérés en fassent leur nouvelle religion. Détruisons tout. Il ne faut pas laisser la moindre chance à ces sauvages. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Les petits gars n'ont pas l'air emballés par notre plan. Élimine-les tous. Ça chauffe pour moi. Je suis à court d'énergie. Attention, ces enfuirs ont un vautour. Utilise le lasso. C'est un terminal de forage. Ce machin utilise des pistons à fusion. Tu pourras te recharger là-bas. Si on y arrive. Le site de crash de Lully, c'est de l'autre côté de la ville. Approchez mes jolis! Vous allez goûter à mes pruneaux! En approche. C'est pas un problème. Le comité d'accueil est là. De la chair fraîche nous barre la route. Ah, content de voir que t'as retrouvé le sens de l'humour. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ah, tu me feras toujours rire. Il se replie. Poursuivons-les jusqu'au dernier. Alors là, on est fait pour s'entendre. On est enfin sur la même longueur d'onde. Ah!
me suis bien défoulé. C'était un bon échauffement avant notre rencontre avec cette nénette de Final Echo. Final Echo, c'était nos remplaçants, Gray. Les nouvelles marionnettes de Sarano. Ta rage est mal dirigée. Une tourelle d'artillerie là-bas, à couvert. Je me sens mal. Je n'y arrive plus. Je faiblis. Oh. Tiens bon. Je m'occupe du gros œuvre. Accroche-toi. Je n'ai aucun port d'accès. Ici, réponds-moi. Oh, putain, quel coup de flip. Je me sens mille fois mieux. Ravi de l'entendre. Gray, j'ai provoqué une surcharge. Je prédis une explosion imminente au niveau des générateurs de gravité. Eh ben moi, je prédis qu'on a foutu de camp d'ici et si ça.
La chance nous sourit enfin. Un train de fret, droit devant. Dernier départ d'Explosionville. Embarquement immédiat. Il est superchargé en armement confédéré. Il a surtout l'air superchargé en cholestérol, ce gros tas. Vite, chaval ! Viens là, ma jolie, viens. Fais-lui la peau. Arrête sur toi. Il y en a d'autres. Moteur sombré, il y en a pour une minute. Je vais vous faire attention. Cette putain de roue, si jamais il l'active. Tu peux pas faire accélérer ce truc? Si tu veux t'en charger, fais-le. Je n'y comprends rien à ce truc. Je vais tous les tuer. Pour Doc, pour Red. Alors là, je te retrouve, mon pote. Don't!
enfin un peu de répit. C'est des renforts. Accroche-toi et vous fonce dessus. Ichi, ça va? Ça ira. Est-ce possible que ça casse les os du cul? On se barre. Ce truc ne tient qu'à un poil de cul. Un cap du pont, ça m'a l'air assez solide. On va vite le savoir. Chacha! Oh merde! Oh. Oh, on a de la chance d'avoir survécu. Une espèce de divinité doit veiller sur nous, si tu veux mon avis. C'est une goutte de chance dans une mer d'infortune. Grosse alerte! Fais pas le zapper! Le destin nous a gratifié d'une opportunité extraordinaire. On peut peut-être y accéder en passant par ces grottes. Donne ton optimisme. T'as vu la taille de cet endroit ?
Quand tu auras fini de faire le tourisme, j'ai repéré une sortie de l'autre côté de la caverne. Dis-moi, comment tu fais pour garder le contrôle sur ta moitié robotique ? Je me suis engagé dans une lutte utopique pour préserver les gènes de mon espèce. Merci. Eh ben, sors-moi des blagues. Sois sarcastique, je sais pas, moi. C'est bien quelque chose que ta foutue intelligence artificielle peut pas comprendre. C'est un ennemi. Espérons juste que leur géniteur traîne pas dans le coin. On est obligé de passer au milieu. Putain, ça fouette! Dis-moi que ça venait de toi. Ce serait mentir. Je sens pas. On se barre d'ici. Vite. Putain. On explose tout et on dégage.
C'est bon. Ça va aller. Je vais bien. Ouais, pas si sûr. Qui sait ce que l'eau a fait à tes soudures ou à l'androïde? Je vais bien. Bon, ok. Mais reprends tes esprits. Ouais, on y va.